Allez, on commence du coup notre petit tour avec Patrick d'Aquaterrazen. Et Patrick, du coup, t'as un petit truc en main qui est bien sympathique. Eh oui. Un Akatina, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Un Fulica White Jade. D'accord. Et là, il a l'âge adulte. Ok. Donc on est... là, il est super, hein. Ah. On est sur du coup un escargot géant. C'est ça. Ça vit combien de temps? Ah, on est entre 10 et 15 ans. Hein. Quand même, hein. Donc si et jamais vous partez là-dessus, effectivement, c'est pas, enfin voilà, c'est quelque chose qui s'anticipe, etc., etc. Conditions globalement de maintien, tu conseillerais quoi? Bah, terrarium, aquarium aussi. Il faut que ce soit fermé quand même pour éviter les évasions, forcément. Bien j'ai sûr. Déjà eu un escargot qui s'est malheureusement évadé. Je l'ai jamais retrouvé. Une bonne épaisseur de sol, okay. De l'humidité, sans être détrempé. Niveau substrat, du coup? Bah là, par exemple, moi, j'ai un mix de terre de bruyère avec mélange de feuilles et de bois ah, mort. C'est simple. Ouais, voilà, relativement soft. Et puis après, l'essentiel, une source de calcium, à base d'os de sèche, pour renouveler la coquille, notamment quand ils sont petits. Ouais. Et puis après, ce sont, ils mangent un petit peu de tout, les restes de légumes, de fruits. Ils prennent tout, quoi. Donc c'est quand même relativement pratique. Ça vous aide à faire le. Enfin, il y a le compost, et puis il y a aussi ce que vous pouvez donner aux Akatina, du coup. C'est ça. Ça aide à finir les repas, on va dire, de la famille, quoi. Voilà, en point clé, il faut gérer l'hygiène. Ouais. Parce que forcément, plus on leur donne à manger, plus bien forcément sûr. ça va y aller. Il ne faut pas non plus que le sol soit détrempé. Et ensuite, en point clé, gérer les reproductions si jamais on a plusieurs individus, car c'est quand même une espèce qui est hermaphrodite. Et donc, du coup, ben là, on a un petit aperçu de ce que ça peut donner en termes de repro. On et encore, filmer, c'est pas complet, quoi. Donc, par exemple, dès que j'ai mis mes deux premiers individus dans leur environnement, ils y sont allés directement. Et là, on part sur 120-150 œufs. Et donc du coup, après derrière, il faut le gérer, notamment en consommation de calcium, même si on veut les maintenir, quoi. Donc voilà. Vous avez compris, hein, d'accord. Si jamais vous souhaitez partir sur les Akatina, bah, il faut se renseigner avant, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire avec n'importe quel animal. Renseignez-vous bien, parce que effectivement, c'est vrai que c'est très très joli, du coup, un gros escargot comme ça. Mais bah, il y a forcément les contraintes qui sont inhérentes à tout ça. Je te remercie, Patrick, en tout cas. Merci à toi. Et puis bonne vente. Merci, bonne journée. Merci bien. Allez, du coup, on se retrouve avec Julien, des Dragons Barbus. Et Julien, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est invité sur ton t-shirt. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, donc un Pogona. Ouais. Voilà, donc moi je fais du citrus blue bar. D'accord. Donc le citrus blue bar, donc ça va être du jaune principalement. Ouais. Ce qu'on appelle les blue bars, ça va être les barres grises autour. J'ai essayé de un petit peu figer ces blue bars sur le citrus. C'est ce que d'accord. J'aime moi. Après, je peux faire aussi du jaune homogène. On va montrer ton stand évidemment en vidéo. Mais principalement, voilà, j'ai voulu bosser sur ces blue bars. D'accord. Donc on a une petite femelle. Donc là c'était porté de l'année du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu produis combien de juvéniles à peu près par an? Une cinquantaine. Ok. Environ. Et donc bah, évidemment on peut te retrouver peut-être aussi sur internet. C'est ça, Instagram, Facebook, donc les Dragons Barbus. Comme, Donc pour tous les amateurs de Pogona, bah, évidemment, d'accord, vous n'hésitez pas. Vous venez effectivement d'accord sur tous tes réseaux sociaux du coup quoi. Vous retrouvez d'accord sans problème justement les Dragons Barbus. Et vous pourrez trouver du coup ces fameux magnifiques Pogona. Je peux vous dire que c'est très très joli, très sympa. Merci. Et franchement, tout mignon comme tout évidemment, Pogona oblige. Voilà. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. Bonne journée. De même. Allez, on continue du coup notre petite visite ici, donc à Mérignac, à Reptile Expo, avec Pogeco Reptile. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti un truc sympathique, du coup un petit gecko léopard. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Eh bien, c'est un petit gecko inferno. Ouais. D'une unité tangérine. D'accord. Et c'est l'une des particularités que je fais dans mon élevage. Ouais. Des tangérines très intenses. Ok, d'accord, très voilà. Bien. Donc, du coup, ça fait effectivement un coloris très très sympa. Ouais. Etc. Et est-ce que tu aurais un petit conseil du coup justement par rapport au gecko à donner à ceux qui voudraient les maintenir en captivité, etc. Bah déjà les élever seuls. Ouais. C'est bien. Et puis pas de sable. Ouais, d'accord. C'est mieux. Où est-ce qu'on te retrouve globalement? Instagram, Facebook? Facebook. On te contacte du coup si on est intéressé par tes geckos. Oui, c'est ça. En MP. Et puis voilà, vous pouvez retrouver toute la collection du coup. Très sympathique, en tout cas très très joli. Allez, on continue notre petit tour avec Chris, du coup, qui cumule deux casquettes, Ognos Concept pour le stand ici à Reptile Expo et Lilo Tortue, c'est tout bien à ça fait. C'est bien ça. Alors, présente-nous ce que tu as décidé de nous montrer. Bah aujourd'hui, en fait, sur le stand d'Ognos Concept, on est plus sur du serpent, donc bah, comme là, du Python Régus, de la Gute, Morelia aussi, et du Gecko Léopard également. D'accord, donc du classique en fait. Hein. Du assez classique, voilà, rien de bien folichon en termes de mutation non plus. Mais très sympathique malgré tout. Tout à fait.
du sympathique, du calme pour bien débuter. Alors j'ai vu que tu commençais un peu à parler avec des gens, justement à montrer ton serpent, montrer le fait justement qu'il était calme, etc., etc. Dans le but tout simplement de faire de la désensibilisation. En fait, beaucoup de personnes en fait ont peur du serpent parce que dans les films c'est beaucoup montré comme dangereux. Et oui, bien sûr. Alors qu'en fin de compte c'est super calme. Et c'est ça. Si jamais on les connaît bien et puis que finalement voilà on apprend à les maîtriser, à les manipuler, il n'y a pas d'accord souci. Il n'y a pas de problème. Ils vont avoir confiance. On va créer un lien de confiance avec l'animal. Exactement. Alors, pas comme un chien, un chat bien sûr, mais un lien où lui il aura confiance en la personne qui va le prendre avec les odeurs, les bruits, les sons qu'on dégage. Il va avoir confiance, il va dire c'est bon, ça c'est pour le repas, ça c'est pour le manipuler. Et ça en fait les gens ne le savent pas forcément. Ils disent c'est bon dès que ça boit, ça tape, machin. Voilà. Et c'est pour ça d'accord, venez en bourse, c'est très important aussi, parce que vous voyez, avec des champs comme Chris, vous pouvez apprendre comme ça, d'accord, sur les serpents. Et justement apprendre, bah, encore une fois, d'accord, à les manipuler, avoir les bons gestes, etc. Et puis recevoir évidemment de bons conseils. On te remercie Chris. Mais de rien, avec plaisir. Allez, bonne journée. On se retrouve donc ici avec Henri de 101 Reptiles, du coup, qui a pour le coup des serpents très sympathiques. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? Alors, on a plusieurs espèces sur le stand. Alors, tout d'abord, celle-là qui plaît beaucoup en général, parce que très jolie, très. Auréocryptophis. Exactement, Auréocryptophis porphyraceus, sous-espèce coxie, donc caractérisée par ces deux belles lignes noires sur un fond orange. Voilà, là, on a droit à un petit cadeau. Avec un petit peu de musc. Exactement. Exactement, voilà. Donc pour les amateurs de très beaux colubridés, où est-ce qu'on peut retrouver rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver, contacter justement si on est intéressé par ces serpents? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, laissant un reptile. Ouais. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des questions. Tu fais beaucoup de repos par an? On en fait un petit peu quand même. Ok, voilà. Très bien. Par contre, on fait pas d'envoi, donc ce sera à venir chercher sur place à l'élevage à Toulouse aussi. À Toulouse, du coup, et alors c'est un serpent qui a une particularité, c'est qu'il est dans le frais. Exactement. Parce que change aujourd'hui, il fait environ 56 degrés. Il faut éviter absolument tout ce qui est forte chaleur. Exactement. On dit pas plus de 25-26. Pour le maintien, indispensable d'avoir une clim ou une pièce froide, au moins pour l'été, pour les périodes de canicule. Bien sûr. Eh bien écoute, Henri, on te remercie. Très très beau stand, franchement, ici. Et donc voilà, venez, n'hésitez pas du coup à aller sur Toulouse, du coup, retourner Henri. Et du coup, c'est magnifique serpent. Avec plaisir. Je te remercie. Allez, on se retrouve sur un nouveau stand cette fois-ci. Du coup, on est, comme vous pouvez le voir, sur du coup, donc, AP Normandie Reptiles et du coup, les reptiles d'Asgard aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui. Les nacs d'Asgard, c'est pour la partie animaux. D'accord. Mon élevage, oui. Voilà. On a dissocié la partie matérielle avec AP Reptiles Normandie et les nacs d'Asgard. Parce que vous avez, Rui, tu vas pouvoir filmer un super stand, c'est vrai, hyper long. On a de la longueur, ouais. Ouais. Vous avez mis un budget en table de vente conséquent. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors du coup, donc, on se retrouve donc, avec Pierrick et qui nous présente aujourd'hui une petite sulcata. C'est ça, qui deviendra très grosse parce qu'elle fera 80 kg adulte. Exactement, d'accord, on le rappelle les sulcata, hein, d'accord, vous les avez déjà vus sur mon petit piton, hein, ok, les sulcata. Ça commence comme ça, comme une pièce d'une taille d'une pièce de 2 euros à peu près niveau plastron. Ouais, un petit peu plus gros, on est pas chez Garglas, mais la pièce de 2 euros, elle craque la fissure après. Exactement. Et donc là, vous voyez qu'après, d'accord, ça devient absolument énorme, avoir un budget évidemment de nourriture conséquent. Ça creuse ouais. Ça creuse, ouais, ça déblaye bien le terrain. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des tortues qui n'hibernent pas, donc il faut une installation conséquente pour pouvoir les accueillir, donc chauffer l'hiver. Et donc moi, par exemple, pour mon cas personnel, donc j'ai deux mâles, deux adultes qui ont une bonne quinzaine d'années. Et j'ai un cabanon de 6 mètres carrés qui est chauffé avec une base chauffante 25 degrés en radiateur, plus des lampes chauffantes pour maintenir un point chaud à 30. Et l'été, du coup, dans le jardin? Plein soleil, ça adore ça. Exactement. Mais écoute, Pierre, on te remercie de nous avoir présenté du coup cette jolie petite tortue. Et puis peut-être qu'elle trouvera preneur du coup ici. Et donc, mais renseignez-vous bien avant de prendre une sulcata. Ouais, hein. Autorisation de détention. Exactement. Absolument. Exactement. Merci beaucoup, Pierrick. Mais de rien. Et bonne journée. Salut. Allez, je me retrouve donc avec Ilona ici et l'association du coup Reptile Academy, une association de sauvetage de reptiles. Ilona, est-ce que tu peux présenter un petit peu juste ce que tu fais? Bien sûr, beaucoup, on est une association de sauvetage de reptiles, on est basé à Brive-la-Gaillarde. D'accord. Et donc on intervient sur une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine pour récupérer des reptiles, soit qui parfois sont retrouvés dans la nature. D'accord. Alors des reptiles qui ne sont pas soumis à capacité, sachant que de toute façon la plupart du temps ça reste des reptiles assez classiques. Bien comme, sûr, bien sûr. Python et juste. C'est ce qu'on peut voir un peu derrière, vous avez mis des photos justement des reptiles sauvés. Et donc je vois qu'il y a une boîte à dons ici. Oui. Et comment est-ce qu'on peut faire un don sur internet? Alors beaucoup, on n'a pas encore mis en place de. Ça arrive, ça arrive. Système, mais ça arrive.
Sinon, ça peut être soit par virement, etc. Ou bah, justement, aujourd'hui, à l'événement. Mais voilà. Et puis après, bah, vous pouvez aussi nous suivre et puis nous aider en partageant. C'est aussi une aide exactement. Précieuse pour en nous en parler, etc. Exactement, quoi, tout ça. À fait. Et bien, on te remercie en tout cas d'avoir passé le message. Merci. Bonne journée, Ilona. Bonne journée. Allez, on se retrouve du coup avec Julien de Lunamante. Et Julien, du coup, tu nous présentes un petit quelque chose ici, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, donc une menthe orchidée, Hymenopus coronatus, donc une menthe qui vient de Malaisie. D'accord. Ici, c'est une petite femelle qui est à demi du stade adulte. Donc l'avantage, c'est une des menthes qui a le plus de succès de par son mimétisme, ses bien formes, sûr. Ses couleurs. Elle est magnifique. Donc c'est une menthe qui va se nourrir de proies volantes principalement, mouches, papillons, tout ce qui passe à sa portée. C'est une espèce qui est assez opportuniste. Quoi. Voilà. Okay, elle va d'accord. pas chercher, elle va attendre que ça arrive. L'espérance de vie globalement, on est sur alors, quoi le moi, développement, j'y connais rien, non, mais alors, de la naissance jusqu'au stade adulte, on va avoir environ 8 à 9 mois ouais, selon ouais. la température. Oui, parce que tu as les différents stades avec c'est voilà. ça. Ouais. Et ensuite, la femelle adulte où le, va durer environ 6 à 9 mois. Le mâle a une espérance de vie plus faible de 3-4 mois. Et alors dis-moi, est-ce que la femelle mange le mâle ? Alors, c'est un petit peu le mythe de la menthe religieuse. C'est pour ça que je te la pose. Là, alors, je me dis, ça voilà. peut arriver, en fait, une femelle en reproduction va avoir besoin d'énergie, donc c'est-à-dire que tout ce qui passe devant elle est potentiellement une proie. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, mâle ou pas mâle, sauterelle ou grillon, ça passe, donc c'est pas très vicieuse. L'idée, c'est que pour faire une reproduction, on va bien nourrir la femelle plusieurs jours ouais, en amont, la nourrir pendant, et normalement, croiser les doigts, et normalement, tout se coup, passe bien. On espère qu'ainsi, voilà, le mâle ne touchera pas trop. Tout à fait. Super. Tout à fait. Julien, on te remercie. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Et avec bah, plaisir. Bon week-end à toi. Merci. Bonne Allez. Continuation. On se retrouve avec Diego, et Diego en fait, bah, il propose des choses un peu particulières, c'est pas des animaux, mais justement en bourse, bah, vous pouvez aussi retrouver un peu tout ça. Diego, dis-nous un peu ce que tu fais, c'est quoi ton, j'ai envie de dire, ton cœur de métier quoi. Fabrication de décors et de grottes, on va ouais. dire, en liège. Là on a presque plus une gamelle là en fait. Toi. Ouais, là c'est une boîte à mue. Ah d'accord, très bien. Mais qui est chauffante. Ok, d'accord. Donc ah, ils oui, peuvent okay. mettre un tapis chauffant ou un câble chauffant dessous. D'accord. Comme ça, ça garde la chaleur ouais. et ils peuvent faire leur ponte ou leur mue à une bonne température. Et voilà. Et je fais aussi des décos en 100% liège et ardoise. Où est-ce qu'on trouve tes créations ? Est-ce qu'on peut te contacter ? Sur Facebook. Facebook, donc Sanctuary Les Arnes. Voilà. Voilà. Et donc, vous contactez Diego si vous êtes intéressé. Et franchement, il y a moyen de mettre des choses sympathiques, justement, et utiles en terrarium. Et ben voilà, on va foncer, quoi. Hein ? Pas que pour les terrariums. Aquariophilie et tout type d'animaux. Bon bah voilà, alors là on est sur le must. On te remercie Diego. D'ailleurs. Bonne journée, bonne vente. Toi aussi. Ciao. Allez, on se retrouve du coup devant un nouveau stand avec Benoît. Et ce nouveau stand, c'est un stand qui est super important, d'accord. Avec justement eh bien, des applications un petit peu, d'accord. Tout du moins, comment est-ce qu'on pourrait dire des logiciels. Des logiciels, du coup donc vraiment prévus pour les reptiles. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la gamme ici, justement, qu'on a ? Ouais, en effet. Alors, Zoo Exotic, c'est une entreprise qui a créé trois logiciels. Ouais. Donc, on va avoir Zoo Book, qui est un logiciel qui va servir de registre. Que j'ai personnellement et qui est très bien. Bon, tant mieux alors, jusque-là. Donc, l'objectif, là, ça va être pour les gens qui ont des reptiles, et pas que des reptiles, hein, des animaux non ouais. domestiques, de tenir un registre qui est légal pour certaines espèces et obligatoire. Exactement. Et là, le gros intérêt, c'est que c'est un registre qui est infalsifiable. Donc, ça, il faut le savoir que c'est le caractère qui est vraiment propre à la réglementation française d'avoir un registre infalsifiable. Alors c'est payant ? C'est payant en effet. Mais c'est pas très cher, je crois, non, je crois que c'est... Non, là pour l'instant on est aux alentours de 40 centimes. Ouais, c'est 20 ça. Centimes pour l'entrée d'animal et 20 centimes pour la sortie. Tu dis pour l'instant, c'est-à-dire ça va augmenter ? Bah oui, parce qu'on est en train de rajouter plein de fonctionnalités et du coup forcément bah, ça introduit des frais supplémentaires. Voilà, mais donc du coup c'est vrai que voilà, vous pouvez eh bien, justement donc, enregistrer vos animaux. Ouais, en fait. Et est-ce qu'après tu as besoin quand même de contacter ta DDPP, etc. Alors d'un point de vue légal, le registre en fait est obligé d'être envoyé tous les 3 mois au minimum à sa DDPP. Et ça peut être aussi fait dès qu'il y a une grosse modification. Par exemple, le jour où vous rentrez d'une grosse bourse comme aujourd'hui, si vous rentrez 10 animaux, bah, c'est toujours bon de ne pas attendre les 3 mois, bien les sûr. 3 mois et de l'envoyer à sa DDPP. Yes. Alors, donc tu nous as parlé de Zoobook. Ouais, Zoobook, ensuite Zootrack. Il y a Zootrack. Alors Zootrack, en fait, c'est vraiment notre logiciel de suivi. Donc, c'est-à-dire okay. que votre registre Zoobook va vous permettre de savoir quels animaux vous avez dans votre élevage. Ça, je l'ai pas. De tous les lister. Et Zootrack, ça va vous permettre en fait de faire le suivi. C'est-à-dire qu'à chaque animal, vous allez pouvoir rentrer son poids, sa taille, et toutes les informations. Ah, c'est la carte d'identité quoi. Bah, la carte d'identité, mais pas aussi. Mais évolutive. Mais pas que ça. Évolutive parce qu'en fait, vous allez pouvoir rajouter toutes les rations alimentaires.
C'est-à-dire que dès que vous faites votre nourrissage, vous allez pouvoir rentrer manuellement la proie que vous lui avez donnée. Est-ce qu'il l'a accepté? Est-ce qu'il l'a refusé? Eh oui, parce que vous savez ce que c'est, on a tous ces petits calepins, là, puis à un moment on perd les feuilles, puis c'est à un moment. Ça prend l'eau, on pose sur une table, il y a de l'eau, ça prend. Tu déménages, ça, tu sais pas où ça tombe, après voilà. Donc là, l'avantage, c'est que tout est médiatisé, et en fait, vous pouvez le retrouver. Et en plus, le gros avantage, c'est que ZooBook, ZooTrack, on a créé des QR codes que vous pouvez afficher directement sur vos terrariums, et en scannant le QR code, vous arrivez directement sur la fiche de l'animal. Bim. Ce qui vous permet de faire toutes les modifications. Rajouter une mue, rajouter le fait qu'il est mal mué, qu'il ait une petite blessure et tout, tout peut être rajouté. Et s'il a bien mué aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et enfin, du coup. Et enfin, le dernier qui n'est pas marqué ici, c'est Zoo Explore, qui est notre base de données en fait. Ouais, okay. C'est-à-dire que toutes les espèces, là pour l'instant de reptiles, et on va un gros travail à faire sur le reste, sont intégrées dans la base de données. Et ça permet à n'importe qui, parce que c'est totalement gratuit pour le coup, il est totalement désolidarisé de ZooTrack et ZooBook. Ça vous permet de savoir toute la législation qui encadre cette espèce là. Donc sur Zoo Explore, vous tapez n'importe quelle espèce et vous allez savoir si en France vous avez le droit de détenir ou non, avec ou non certificat de capacité AOE. Le statut CITES, etc. Voilà, etc. Tout ça. Ouais, toutes les informations. Voilà. Écoute Benoît, on te remercie en tout cas pour nous avoir présenté un petit peu ces programmes là. Et franchement, si jamais vous avez beaucoup de reptiles ou si jamais tout simplement vous avez envie d'avoir un truc carré, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça. On arrive à un moment où la législation évidemment prend beaucoup d'importance. Et va évoluer, donc autant prendre les devants. Et vous savez que c'est des questions qui nous intéressent sur Monty Python, mais c'est vrai que ça peut vous aider en fait à gérer votre élevage, et ça c'est très bien. On te remercie Benoît. Parfait, merci. Ciao, bye bye.